Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Dans les dernières années, on s'est vraiment habitué aux réunions en ligne et je crois que c'est arrivé à tout le monde de réaliser que une qualité audio est très importante pour le côté pour rendre notre rencontre plus intelligible, plus intéressante et captivante. Roland a décidé d'adresser la piètre qualité audio qui des fois se retrouve dans des réunions en ligne avec deux produits très intéressants. Premièrement, on a le microphone CGM30. C'est un microphone de style gooseneck. C'est un microphone à condensateur et en général, les condensateurs offrent une meilleure qualité. En fait, la qualité est différente d'un microphone électrodynamique. La qualité est beaucoup plus détaillée. Il y a un certain côté aéré au son. Donc, ça se prête vraiment bien au dialogue et aux voix. Donc, c'est un très bon choix de Roland d'être allé avec ce genre de microphone-là. Et étant gooseneck, il est très facile à ajuster à la bonne hauteur et vraiment à le placer pour avoir la meilleure capture de son possible. Ce microphone-là, il se marie très très bien à l'interface audio UVC02. C'est une toute petite interface, très bien construite, le boîtier est en métal et vraiment nous permet de faire le pont là, avec certains produits audio-vidéo. Premièrement, il y a une entrée HDMI que vous pouvez connecter à une caméra sans miroir ou réflexe pour vraiment avoir une qualité optimale de vidéo. Et vous allez pouvoir utiliser un microphone externe. Dans ce cas-ci, moi, j'ai utilisé le produit vraiment là, qui va très bien avec, là, le CGM30. Et le produit va fournir le 48 volts nécessaire pour alimenter le condensateur. Et sur le produit, il y a toutes les options vraiment accessibles à la main. On peut ajuster le volume d'une entrée auxiliaire pour faire jouer de l'audio externe. On peut ajuster le monitoring, le retour, donc on peut brancher un casque d'écoute. On peut régler les volumes et les gains. Vraiment s'assurer que tout est en ordre pour une présentation réussie. Il y a un logiciel qui vient avec, le logiciel de setup là, que Roland appelle. On peut vraiment aller régler l'égalisation de notre voix, vraiment aller fignoler avec les petits détails pour vraiment s'assurer que notre rencontre soit très professionnelle et optimisée. Je vous ai enregistré un petit extrait où j'utilise les deux produits ensemble pour vous donner une idée de la qualité. Donc, voici un exemple du UVC02 avec le CGM30. J'ai branché le microphone dans l'interface audio et je suis en train de filmer avec la caméra de face de mon MacBook. C'est pour vous donner une idée de quoi ça va avoir l'air dans votre réunion en ligne. Il y a plusieurs options sur le UVC02, mais on peut faire jouer la musique avec une entrée auxiliaire. Et il y a un bouton très, très pratique, le bouton Talk. En fait, quand je vais l'activer ou le désactiver plutôt, je vais être en sourdine, fait que l'audio ne va pas passer. Donc, je vais vous démontrer ça ici. Et je suis de retour. Il y a aussi quelques effets amusants. Là, si, mettons, vos réunions ne sont pas trop sérieuses et il y a de la place pour de l'humour, bien, on peut changer notre voix pour avoir une voix un peu plus grave, comme voici. Et sinon, on peut même activer des effets sonores un peu humoristiques. Donc, c'est ça. Voici un exemple de la qualité du UVC02 avec le CGM30 de Roland. Donc, comme vous pouvez l'entendre, le résultat est vraiment d'une bonne qualité du côté audio. Surtout si vous pouvez le jumeler à une caméra sans miroir ou réflexe, vous allez vraiment avoir un très très bon résultat. Je pense que ce produit-là, il s'adresse vraiment aux gens qui travaillent à l'étranger par Internet ou de chez eux, mais qui ont beaucoup de réunions et qui ont beaucoup de présentations à faire ou que vraiment le contenu est important et que le message doit être donné d'une façon claire. C'est vraiment un produit, là, comme je pense, qui est approprié par rapport aux circonstances d'aujourd'hui. Ça va vraiment intéresser, c'est ça, les gens qui ont beaucoup de réunions à faire. Et aussi pour les créateurs de contenu qui sont souvent seuls ou principalement une création de contenu individuelle, ça va vraiment rehausser la qualité de leur création. En plus d'être un produit très très facile à utiliser, l'installation ça prend
quelques secondes et vraiment les contrôles sont très accessibles et très faciles à utiliser. Si vous voulez plus d'informations sur le CGM30, le micro gooseneck de Roland et l'interface audio-vidéo UVC02 de Roland, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.